Ou t'as aimé qu'on doit avec des voix dans la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur Bigro télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8 ans sur les pays d'Ezim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit avec des voix dans la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur Bigro télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8 ans sur les pays d'Ezim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. La vie est dans la santé, non dans l'existence. Samedi 3 juillet 2021, il fait exactement 8h à 40 minutes dans la Souen, dans la région sud-est du Brésil, et 7h à 40 minutes dans la Coupe Port-au-Prince. Émission Espace Santé et Vie, invité au Prenti Chesbao. Les familles et les amis, partagez la live sur toutes les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram et la trier. Dans l'idée pour nous former, informer et puis partager connaissances nous dans le domaine de la santé. Dans quelques minutes encore, émission Paola, émission Pure Mère, Espace Santé et Vie pour entrer la caille. Vous êtes branché dans la tonnette. Ou t'as aimé qu'on doit avec des voix dans la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur Bigro télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8 ans sur les pays d'Ezim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Bonsoir, bonjour à chaque grand haïtien qui est papillé dans quatre coins du monde. Non, PAM, c'est Yvenson Fleurant, présentateur de Poissoya. Compte tenu de tout ça qui a passé la caille, moi invite nous ensemble à observer une minute de silence dans la mémoire frère Axel qui a tombé lâchement en babal sans foi ni loi. Ensemble, on observe une minute de silence.
Merci tout le monde. M'a rappelé que l'émission ça passe chaque samedi à 8h dans les pays Brésil et 7h dans les pays d'Haïti. Sous Pigo Télé Digital Moment, WebCover TV. À page YouTube nous qui c'est Espace Santé et Vie. Espace Santé et Vie, c'est une émission qui embâche pour l'Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, AJAS, qui engage tête pour participer dans l'éducation PEP haïtien dans causer la santé. Avant même nous parler de qui ça qui va gagner dans l'émission nous pour asseoir, n'a pas appelé à toute famille que nous remercions en pile. Et profiter de moments ça pour nous remercier pour présence sur la émission. Merci pour commenter nous. Merci pour le link que nous toujours partager dans l'idée pour nous rassembler plus de monde pour venir apprendre et partager connaissances. N'a profiter tout remercier chaque monde qui déjà côté aide ensemble avec nous et ou même tout qui vient pour côté aide tout. Merci à ou même qui c'est un professionnel qui mettez à la disposition pour partager connaissances avec nous dans l'espace santé et vie. Merci à tous les supporters nous, et spécialement WebCover TV, AJAS, avec Soleil Pan Multiservice. Dans l'émission Espace Santé et Vie, à Soya, nous avons avec nous Dr. John McKinley Sylvestre. Nous allons parler de sexualité, qui c'est un terme en dedans santé sexuelle. Espace Santé et Vie voulait toujours qu'un bien informé de ce qui a passé en d'AJAS. Il va être une obligation pour répondre à toutes questions que vous avez avec nous sur le plateau. C'est pour ça, à soir, ensemble avec nous sur le plateau, nous parlons ensemble avec nous, Yonel Estavien qui va présenter nous, rubrique Tipose AJAS. Bonsoir Estavien, comment vous êtes? Bienvenue sur le plateau et qui s'occupe pour nous dans Tipose AJAS? Bonsoir Yvenson, bonsoir avec tout fidèle, tout le monde qui remet Espace Santé et Vie. C'est un plaisir pour nous retrouver une autre fois encore à soir pour nous discuter un petit grâce ensemble avec vous dans Tikoze AJAS. Et nous très bien, Yvenson et Ronfort. Oui, bien merci, grâce à Dieu, nous en forme. Et je me dis déjà, c'est un plaisir pour nous ensemble sur le plateau. Ok, on le fait encore, son plaisir pour nous ensemble, Yvenson. En fait, on t'y a AJAS, à Soya, nous venons pour nous discuter un petit casse ensemble avec fidèles internautes nous, parce que nous passions un petit temps que nous ne pas arriver à discuter ensemble avec nous, nous ne pas arriver à une émission Espace Santé et Vie, émission que nous promettons qu'il peut passer chaque samedi et repasser chaque lundi, mais malheureusement, pendant des semaines qui se passent, ça n'a pas été fait, n'a pas profité pour nous couper nous bien bas, pour nous présenter excuses nous, et nous promettons que ça n'a pas fait encore, parce que si ça t'arrive, si toutefois t'arrive un problème, n'a pas arrivé communiquer ça et tenter faire tout ça qui est possible pour permettre que l'émission recommence plus vite que possible. Mais, capable d'avoir une bonne nouvelle, ou bien une très bonne nouvelle même, en plus l'espoir, c'est que, petite pause qui te prend, il était important, pour nous capables de préparer nous davantage et pour nous capables de porter un espace santé qui plus de qualité pour vous. Et travail pour ensemble bay tête nos commissions qui s'est participer activement dans éducation population haïtienne dans la question de la santé pour ça capable de vivre fait gens ça ta doyer nous promettons que amélioration yo commencer fait et garantir que de jour en jour émission a vinn pi bon la vinn pi belle et la permettre que éducation nous vle ya ou bien la façon nous vle ya avec contribution pour yo et nous même sacrifice n'a fait tenter rejoindre l'invité de qualité et tenter tout améliorer tout le bagage pour faciliter que vous capable d'avoir un plus bon espace santé et un plus bon espace santé et
facilité que formation ça qu'a fait. Bon, n'a profité tout pour nous dire que j'en ai toujours dit là, porte nous ouvrir tout pour quel que soit monde qui t'a dans le domaine de la santé, quel que soit monde qui, quel que soit branche ou taille dans la question de la santé, porte nous ouvrir tout pour nous capables de collaborer ensemble pour recevoir critique ou yo ou bien appui pour tout. Soit ou rejoindre nous ou bien tout en façon capable de tenter aider nous pour permettre que ça nous baille tête nous comme mission pour nous capable aider population haïtienne parce que ou c'est Haïti, c'est Haïti ensemble si nous mettez main n'a pas faire en pile bagaille et bien rejoignez nous dans espace santé, rejoignez nous dans Ajas et pas oublier continuer partager Jean Raphaël, continuer voyez critique ou yo, continuer tout voyez conseil parce que c'est ça qui a permettre nous continuer kembe et c'est ça qui a permettre que chaque jour on puis bonne émission espace santé on puis bon Ajas tout hein parce que Ivan c'est presque c'est ça monter compter parler ensemble avec population nous ou bien internet nous ou bien fidèle et monde qui toujours a suivi espace santé yo. Merci j'espère que population comprendre nous et à continuer bail support ensemble avec espace santé vie hein. Merci Lionel, merci pour mot d'encouragement ça que vous portez pour le public nous hein, pour faire connaître que émission Espace Santé vie à travail de jour en jour pour côté un produit de meilleure qualité pour vous. N'a pas un coup de pause, n'a tourner tout à l'heure. Ou t'as aimé qu'on doit aller voir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la vie? Bien qu'on prend devant. Vins discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par Ajas, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé. Qui passe sous big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays de Zine, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Merci à tous les amis qui étaient fidèles à nous. Et pour vous-même qui appelez nos jeunes, nous avons suivi l'émission Espace Santé 8 qui passait chaque samedi dans l'ESA sous WebCorp TV et qui nous est diffusée chaque lundi à 8h dans la soirée pour le pays Brésil et 7h dans la soirée pour le pays d'Haïti. Sous WebCorp TV, Pigo Télé Digital Moment. Et moi, j'ai l'émission de YouTube disponible sur page YouTube qui c'est Espace Santé et Vie. À cela, nous allons discuter sur sexualité, côté que nous parlons anatomie, physiologie, rapport sexuel, orgasme et quelques troubles qui gagnent dans causer sexualité. Tout ça y a en plus l'autre question encore, nous allons répondre à l'invité nous qui prend le côté lumière pour le public nous qui suivent nous à soir et qui prend suivre nous pendant la semaine. Je nous ai annoncé déjà, à soir c'est un plaisir pour nous gagner avec nous sur le plateau. Il y a un groupe de garçon qui c'est Dr. John McKinley Sylvestre, qui c'est médecin diplômé dans l'université Kiskeya. Il est tout président FAS Haïti, FAS qui c'est Fondation haïtienne pour l'accès aux soins de la santé. Il est tout PDG clinique communautaire Dr. Sylvestre qui trouvait lui dans commune Cité Soleil. Il est un médecin qui très présent sur réseaux sociaux pour aider population haïtienne. À soya, c'est un plaisir pour me partager plateau Espace Santé et Vie avec vos autorités garçon ça. Bonsoir et bienvenue docteur Sylvestre. Dis-nous comment vous sentez à soya pour nous dans l'émission Espace Santé et Vie pour la première fois. Bonsoir Zami Pam, bonsoir à tout membre Ajas qui rend l'émission ça possible.
Nabdi, bonsoir à tout le monde qui fait partie de service technique WebCov et TV, qui c'est une des plus gros médias qui gagne son net là. Et Nabdi, bonsoir à tout le public là qui accepte de suivre nous et qui gagne pour suivre l'émission pendant toute la semaine là. Jodi, c'est un plaisir pour moi pour participer avec nous dans l'émission ça. Côté ma petite contribution dans le travail que nous avons fait, qui c'est rendre information sanitaire accessible et disponible pour la population haïtienne, particulièrement les gens qui sont plus vulnérables, parce que si nous avons information, qui a sauvé la vie. Si nous avons information, qui a permis ou quitter une série de vie habitudes qui sont capables de porter maladie, pour tes complications pour à l'avenir. C'est un plaisir, m'espérer nous pouvons passer un bon moment et que téléspectateurs, monde qui suit nous, yo capable bénéficier de toute sa n'apporter pour yo sous thème émission aujourd'hui qui c'est sexualité. Moi été quoi ça parce que gain en pile connaissance qui pourrait tomber sous causer sexualité. En fait, pour nous parler de santé sexuelle dans le sens large, c'était une construction étape par étape qui a commencé par commercialisation comprimé contraceptif oral dans la décennie 1970 dans le pays de la France. Une autre étape qui a franchi en janvier 1975 avec une loi qui dépénalisait l'avortement. Toujours dans le pays de la France. OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas utilisé le terme santé sexuelle pour la première fois dans l'année 1974. Elle a défini comme ça. Santé sexuelle, c'est intégration dans l'aspect somatique, affectif, intellectuel et social, et sexuel, comme ça, lui permet de réaliser un enrichissement dans le monde, dans lui-même, dans la communication avec lui-même. Cependant, avec vini épidémie sida dans le commencement de la décennie 1980, tu as permis en question et tu as permis de marquer avec l'apparition d'un discours qui était plus préventif dans l'optique pour te permettre la réduction du risque de mon capon dans causer relations sexuelles. Dans l'année 2002, OMS a venu à la définition actuelle qui c'est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Qui mandait pour une approche positive avec respect dans la sexualité et relation sexuelle comme possibilité pour une expérience sexuelle qui se sous plaisir et sans risque, sans contrainte, sans discrimination et sans violence. Pour réaliser et piquer une santé sexuelle, droit sexuel chaque monde doit protéger. Droit sexuel ça fait partie des droits humains qui reconnaît par législation nationale à quel instrument international. Ensemble, on regarde quelques. Droit pour nous jouir un état de santé sexuelle possible, meilleur état de santé sexuelle possible, grâce à accès à services médicaux qui est spécialisé dans le domaine sexuel et reproduction. Doit commander pour joindre à transmettre information qui a rapport à la sexualité, doit pour gagner éducation sexuelle, doit pour choisir partenaire avec respect et intégrité physique, doit pour décider vie si pour gagner une vie sexuelle active ou non, doit pour gagner une relation consensuelle, et doit pour gagner un mariage consensuel. Doit pour décider gain petit ou non dans moment mon envle doit pour mon gain une vie sexuelle satisfaisante et qui agréable
ak san risk. On parle de sexualité, gen yon siyans ki okupel, ki base pou etudye ki sa ki seksualite. Se seksoloji. Seksoloji li etudye seksualite imeyan ak maladi li yo. Li etudye tou aspe nan seksualite tan pou devlopman seksuel, komportemen seksuel, ak relasyon afektif yo. Mekanism rapor seksuel yo. Dr. Silvestre, si nap tante defini seksualite, ki sa nou kapab di de li? Ok. Oui, si nap pale de seksualite e ke nou ta vle avanse avèk yon definisyon, nou ta kapab di ke seksualite se yon ansanm de karakteristik fizik ki pral diferansye fam ak gason ou bien ki pral diferansye mal ak femel yo. E nou kapab djou ke pale de seksualite se pale de ansanm de mekanism sa yo ki pemet interaksyon antre mal ak femel. Se pa selman ki pemet ou fè diferansye yo, men ki pemet interaksyon ki genyen antre yo de ya. E nan komansman nou konen ke seksualite li te syoutou gen rapor avèk reproduksyon. Paske moun yo te toujou kwe ke misyon nou se kwase epi multipliye la tè. Se ta dir moun yo fè bagay pou fè pitit. Men de nou jou nou kapab di moun plus fè bagay pou plezi ke yo fè bagay pou fè pitit. Etan donè ke nan fè bagay ou kon gen des obstak ke ou rekontre des troub, se sa ki fè ke nou kapab vin pale de troub de la seksualite, se ta dir troub ki genyen nan rapor seksuel fam avèk gason ou bien rapor seksuel mal avèk femel. Merci, Dr. Silvestre. Finalité sexualité, c'est recherche, plaisir, ak, reproduction. Pour ça, il y a un ensemble de systèmes dans le corps humain qui rentrent en action, tant que le système nerveux, système endocrinien, ak, système reproduction mâle ak, femelle. Ensemble, on nous a regardé ak, yon map ajas, yon vidéo sur système reproduction femelle. Régie. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons pour que nous puissions partager ce moment avec nous, avec Ajas, Espace Santé et Vie, chaque samedi. Donc, c'est un plaisir pour que nous puissions ensemble. Et puis, féliciter et remercier particulièrement les amis qui sont sous panel là, qui a un bon service avec la communauté à la journée. Donc, nous souhaitons que vous-même vous prenez tout le bête. Et pour mettre en application pour que nous puissions avancer ensemble. Rapidement, nous pouvons faire un petit coup de ça qui vient à oué avec appareil génital la carrefour. Donc, nous séparons les deux parties, même si nous faisons la carrefour en tout, une qui est interne avec une qui est externe. Dans ça qui est externe, si nous mettons une fille en position gynécologique, pour une position gynécologique, c'est une position côté cul, et mon nom de cubitus dorsal, et puis l'antigène est écarté. Cuisse li et puis plier jambe li à un niveau pour que le cas faire un gobus. OK, donc lorsque fille en position gynécologique là, donc il est plus facile pour qu'à visualiser et organe génital qui externe. Donc lorsque vous regardez organe génital externe, donc si n'a considéré et partie qui plus près votre là comme étant antérieur et partie qui plus près anus comme étant postérieur. Donc, liaison qui est faite entre vagin avec, et disons mieux, partie antérieure et fille qui est faite en timon. Donc, nous, il est limon de Vénus. Ok, mont de Vénus. Alors, c'est mont de Vénus. Ok, donc, c'est l'échita sous tête pubis fille. Donc, et c'est même au niveau ça, tout, nous avons une sorte de fourchette qui est faite entre les deux lèvres. Ok, grande lèvre avec petite lèvre qui fait un seul.
et là où ils ont rencontré. Donc, ce sont sortes de liaisons qui forment. Donc, nos niveaux, ça, nous gagnons et organes érectiles, la caille qui c'est clitoris, c'est à ce niveau que l'itrouvé. Donc, même gens et garçons qui ont entré en érection, donc, fiant, lui-même, lorsque les gagnent, lorsque les comment dirais-je, lorsque les gagnent envie de faire rapport sexuel, donc, organes, ça tout, lui en érectile. Donc, lui en érection, alors. Donc, maintenant, disons, passer de ce niveau, donc nous gagnons deux sortes de muscles. Ok, nous gagnons une qui est beaucoup plus externe, qui a un rapport avec peau fille, et puis qui est plus mieux solide. Donc, il fait tant qu'on timone, ok, on timone autour, qui entouré, à proprement dit, orifice interne de la cafille. Donc, nous-mêmes, nous relèvons et grand lèvre. Ok, nous relèvons grand lèvre. Donc, mais, à l'intérieur de grand lèvre là, on va avoir l'autre petit muscle encore, muscle à lui-même. Donc, il fait presque même genre avec grand lèvre là. La seule différence, il n'y a pas de peau sous lui. Ok, il n'y a pas de peau sous lui. Et deuxièmement, il y a un petit peu ça fait une petite lèvre. Donc, lorsque vous regardez grand lèvre là par rapport avec petite lèvre là, on peut être différent, c'est clair. Mais tout, lorsque vous regardez à l'intérieur, ok, à l'intérieur, on pourrait que les gonds les font ouverture avec un petit orifice. Ok, petit orifice ça, nous relèvons méa urétrale ou encore méa urinaire. Ok, donc c'est la donne que fin arrive pipi. Donc en bas, méa urétrale là ou bien urinaire là. Donc on pourrait qu'on le pigou orifice, c'est orifice ça, les a débouché sous vagin fille à l'intérieur. Donc c'est ça fait nous relèvons orifice vaginal. Ok, donc ça c'est ensemble de organes externes vaginal qu'on joint la caille. Donc lorsque vous entrez dans à l'intérieur qu'on y a la pour analyser, donc premier espace qu'on joint immédiatement qu'on entre à l'intérieur, nous joint vagin automatiquement. C'est vagin qui c'est espace de corporation à la caille lorsque il y a un rapport sexuel avec un garçon. Donc lorsque ou à peine quitter vagin, ou pas joint un petit espace qui est enfermé. Ok, par rapport avec vagin, donc espace à nous, il est le col de l'utérus. Donc, bien, on a parlé de col utérus là. Donc, ça veut dire que tout de suite, nous traversons ce col là, on va entrer dans l'utérus là. Donc, l'utérus là, c'est espace côté que bébé a grandi, ou bien que fœtus là lui-même, lui grandit. Et l'utérus là, c'est même qui vient large, on arrive juste au niveau abdomen, nous, dans l'époque grossesse là. Donc, lorsque nous quittons espace utérus là, donc nous parlons ouais deux cônes, une barre à droite, une barre à gauche, deux cônes ça y est, donc qui vous faites en fait, vous c'est des comment des tuyaux, ok, nous allons brûler des tuyaux, donc puisque l'espace en lui est surtout là pour que vous capable faire traverser et ovule fiant ou bien pour faire traverser et comment dirais-je et première cellule qui forme lorsque vous faites cela lui-même vous prenez naissance. Donc espace anal, il est le trompe de Fallope, ok? Son sorte de trompe lié en sorte de cône, donc il est trompe de Fallope. Donc trompe de Fallope là, il va le déboucher sur ça que nous les ovaires. Ovaire là, c'est ça la caille qui produit ovule, ok? Donc qui permet à ce que fille chaque période menstruationnée les baillons ovule. Donc si nous citons bien ensemble de organes, nous jouons de manière interne la caille, premièrement nous jouons une vagin, deuxièmement nous jouons col de l'utérus, troisièmement nous jouons ça qui vient à port avec utérus là en soi et puis en quatrième nous jouons trompe de Fallope et puis au final nous jouons ça nous les ovaires. Donc ensemble de appareils ça yo en disant ensemble de organes ça yo travaille ensemble qui pour permettre à ce que capable produire ça nous les premièrement rapport sexuel, deuxièmement porter bébé, troisièmement la caille pour que capable faire ça nous les et comment dirais-je pour que les capable bien menstruation. Donc c'est ensemble de organes ça que nous joignons de manière interne et externe la caille en fille. Alors on vous remercie parce que au prend plaisir pour suivre à chaque samedi. Donc c'est un moment ça nous partager ensemble est tellement intéressant. Donc nous souhaitons la prochaine fois nous croiser encore. Continuez suivre l'émission à j'assure et puis nous avons bien plus connaissance pour nous gérer la santé. Merci. Merci, docteur Josil, pour
vidéo ça qui véhiculait en pile information concernant anatomie appareil génital féminin. Docteur Sylvestre, on pas connaît si vous avez ajouté un bagage. Et étant donné que n'a parlé de sexualité et ça a rapport avec filles et garçons, comme il n'y a pas trop parlé de appareil génital masculin, disons qu'on va parler de lui du tout, on est capable de faire un petit rappel. Ok. Yeah. Même genre, nous sommes remarqués, appareil génital féminin, il y a une partie externe et il y a une partie interne. Tout. C'est même genre pour appareil génital masculin. La partie externe de l'appareil génital masculin, partie qui dehors, partie capable garder à surtout, c'est ça que relie verge en français ou bien ça que relie zozo, ça relie graine, ça relie couloute. OK? Couloute ça, il fait de plusieurs parties, partie qui relie corps spongieux, gain partie relie corps caverneux. En dedans, il y a un canal qui traverse, c'est un canal ça ou pipi en sorti, c'est dans canal ça les moun n'a éjaculé sperme dans sorti, canal ça c'est urètre. Il y a plusieurs portions. Ça c'est le rapport rentre dedans ou gain urètre et l'elle pral rive autour de prostate là qui relé urètre prostatique ou gain différents branches. Il y a 5 groupes. Mais ça pas trop important pour nous parce que urètre là c'est un organe qui un peu mix. Li la pour appareil génital nan tout, même gens li la pour appareil urinaire nan tout. Pipi passe la dedans et ou gen sperme qui passe la dedans tout. Mais l'homme monte pi haut kon yo pralé nan organe interne yo pour appareil génital garçon ou pral joine yon glande ki rele prostate. Glande ça li entouré urètre là et partie qui passe en dedans prostate là yo rele urètre prostatique. Après ou pral joindre ça qui relie et canal différent ou pral joindre épididyme jusqu'à ce qu'on joigne deux testicules yo testicule ça yo même c'est là nous capable dire c'est magasin côté spermatozoïde yo produire en gros c'est ça nous gagne testicule nous gagne et canal différent nous gagne épididyme nous gagne et urètre nous gain prostate et nous gain verge ou bien pénis ou bien graine ces différents éléments ça qui constituent appareil génital garçon si n'dabli on bagarre capable toujours ajouter mais malheureusement c'était un rappel seulement me devait faire nous pas gain image d'accord merci moi pense que public là il bien élu de système bio malgré que système masculin nous fait sans image mais c'était important pour te rappeler public là comment que système ça yo constitué. Maintenant, docteur Sylvestre, sous plan physiologique, qui ça qui provoque le désir sexuel la caille yon moun? Et désir sexuel ou capable boire son bagay qui abstrait, c'est pas un bagay qui ou capable toucher. Donc c'est un bagay qui apparemment psychologique. Et nous capable dit désir sexuel là et le plus souvent ça qui paraît psychologique yo gagne des phénomènes chimiques qui capable expliquer c'est là où pral joindre et différents éléments hormonaux qui pral entrer qui pral entrer en cause nous gagne hormone c'est une substance et que yon glande produit mais les glandes ça fin produit li la gel directement dans sang et hormone ça li gen pour devoir pour agir dans une cellule bien spécifique dans corps et puis pour lui faire effet que li doit faire et bien pour répondre directement à la question yon bagay qui permet que yon moun capable gen désir sexuel c'est échange hormone yo hormone qui hormone principal qui participe dans provoquer désir sexuel c'est testostérone. Testostérone nan c'est un hormone qui surtout mâle. C'est-à-dire au plus jeune ka garçon, mais fille gagne tout en petite quantité. Lorsqu'on gagne trouble du désir sexuel ou capable ouais une raison qui baili c'est parce que kay femme nan qui gagne trouble du désir sexuel, trouble de libido, fille qui pas tellement souffert bagaille là, c'est parce que
li genyen yon to de testostérone ki diminue, ki très très diminue. Et nan ki ka nou konjwen sa, nou konjwen nan sa nan ka kote fi an menopoze, sa lwe di li retil pa gerer anko, nou konjwen ni tou nan ka kote fi an li menm li genyon metode de planifikasyon familial la psuiv. Par exemple, metode pilule, li gen komprime la pran, komprime kontraseptif, sa kon diminue to de testosterone nan, sa kon diminue dezir seksuel li. Donk, dezir seksuel lan li direktman liye avek to de testosterone ke yon moun kapap gen nan san, ki se yon hormon. Merci, docteur Sylvestre. C'est sûr que nous allons apprendre un pile bagage à soi. Je n'ai pas rien à ajouter, c'est l'importance cerveau en tout dans le processus là. Parce que il y a un ensemble de stimuli qui pourraient venir de l'extérieur. C'est à partir du cerveau qui pourraient passer à centre hypothalamo-hypophysaire là, pour sécréter LH avec FSH qui va agir sur l'ensemble de glandes pour produire hormones. C'est ça que nous avons ajouté. Pratique, pour continuer, pratique ou bien caresse sexuelle, tant que Timodou, striptease, fellation, cunnilingus, et stimulation organes érogènes. Ki importans prelimine sa yo nan yon relasyon seksuel? Et pour nous parler de l'importance préliminaire ça dans une relation sexuelle, nous devons connaître d'abord qui différentes étapes qui gagnent dans un rapport sexuel normal. Dans un rapport sexuel normal, on gagne 5 phases dans un rapport sexuel normal. Même là où on a créé l'entrée dans la relation, l'effet sexe, malgré l'effet sexe, il n'est pas un scientifique, il n'est pas prendre compte si la fait étape par étape. Mais avant qu'il passe à la clan, c'est différentes étapes qu'il prend. Et scientifiques, sexologues, ils étudient étape ça, ils disent, bon, nous résumons à 5 phases. Première phase, là, c'est la phase du désir sexuel. Phase désir sexuel, là, c'est phase numéro 1 dans un rapport sexuel normal. Parce que pour faire bagaille, faut qu'on gagne désir là, faut qu'on gagne envie faire bagaille là. Envie faire bagaille là, il pourrait venir tant que son fantasme. Et mon n'a capable ouais bouda on fille par exemple, une belle fille passer ou bien la regarder en photo ou bien la regarder en porno. Même gens tout fille en gain droit à regarder photo yon jeune homme qui sexy et que ça fait lui envie faire bagaille. Là, il gagne désir sexuel là, il fantasme sur mon nom et puis désir l'envie. Mais désir ça, il pral paraître évident, c'est là mon nom pral passer dans la deuxième phase là qui c'est phase d'excitation. La phase d'excitation, quand les garçons sont caractérisés par sa nouvelle érection, les bois garçons sont raides. Ça, c'est la deuxième phase. Quand les filles en lui-même, et phase d'excitation, elle est surtout caractérisée par une petite lubrification vaginale. Les filles en disent, ah, je me sens mouillée. Là, les filles en deuxième phase. Là. Et il y a l'autre bagaille qui est capable de passer quand les filles en tout dans la deuxième phase. Elle est capable de sentir. Et clitoris li raide, c'est-à-dire que ça ou dit en créole crèque là, il sentit l'antigène campé, il y a une érection du clitoris, et là, nous sommes capables de dire que nous sommes passés dans la deuxième phase, qui est la phase d'excitation. Là, qui est la phase d'excitation, on peut passer dans la phase de plateau. Phase de plateau, c'est une phase de non-retour. Là, dans la phase ça, c'est les gens qui ont senti préliminaire, on a dit, pas assez. Mais préliminaire, ça est important. Pour troisième phase dans Cavini, qui c'est phase de plateau, c'est préliminaire, c'est petit caresse, petit beau, petit mot doux, petit passé, mais c'est yo même qui pral fait moun nan rive dans phase de plateau. Phase de plateau, c'est une phase côté moun nan désir éclaté, li pa wè l'autre bagay pou le faire que pénétration. Ou capable remarquer, yon moun, deux moun qu'on a fait sexe,
Pendant garçon a fait petit préliminaire pour Fion, Fion arrive en côté, il senti préliminaire là pas assez, pas besoin préliminaire encore, c'est pénétration elle besoin. Ou elle prend à faire, il juste mettre dans la direction côté pour le mettre là. Là mon arrive dans phase de plateau. Donc préliminaire très très important pour capable arriver dans phase de plateau. Et si vous voulez me continuer, nous capable arriver dans l'autre deux phases. L'autre deux phases rapidement c'est qui ça yoyé? C'est phase d'orgasme. Dès pour finir dans phase de plateau. Côté pénétration a fait, garçon excité, fille excité, mon nan pral rive dans phase d'orgasme qui c'est quatrième phase dans yon rapport sexuel normal. Dans phase d'orgasme, kay garçon qui s'allie, garçon rive en côté plaisir tellement bon pour lui, vous li voyez, li éjaculer, li voyez sperme. Fille en lui-même, les li orgasme, li bay yon liquide, yon ti liquide qui capable clair et quantité liquide lan li varie de yon fille à yon l'autre et quantité de fois yon fille pral atteindre orgasme au cours de yon même relation sexuelle li varie de yon fille ak yon l'autre. Gen fille qui polyorgasmique, ça veut dire li capable atteindre plusieurs orgasme, li capable atteindre orgasme plusieurs fois pendant la fait bagay. Mais garçon c'est toujours une seule fois. Depuis garçon en fin voyez, li pa voye une deuxième fois tout de suite, la tout passer dans phase 5 lan qui c'est phase de résolution. Phase de résolution, c'est une phase de retour à plat. Et moun nan li fin éjaculé, ou ap toujours wè, tendance qui gagne, li gen tendance pour li. Ou là, li gen tendance pour li capable et perdre bon. Le retour à la normale. Les retourner bon pas veut dire retour à la normale parce que toute phase m'a dit là c'est des phases normales mon retourner dans côté il était sorti hein boil vinn descendre pas gain érection encore c'est OK c'est même genre tout phase de résolution et kay fiant satisfait il passe ça encore et puis c'est dormi ou bien bien et puis à la ménage li dit il commence à te OK pour moi additionner sur ce sujet si ça on t'a parlé de lien lié le cycle réponse sexuelle qui était décrit par sexologue Masters et Johnson dans l'année 1966 qui c'est deux sexologues américains tout à fait exactement maintenant toujours dans même question ça est-ce que la caille fille avec la caille garçon, orgasme, lui exprime même genre. Est-ce que c'est même, comment je pourrais dire, est-ce que c'est même manifestation qui gagne ni la caille fille ni la caille garçon ou bien gagne différence, la caille de genre? Et nous capable di gagner même sensation mais pas gagner même manifestation et manifestation c'est pas que li fi ou bien garçon li varie de un monde à l'autre plusieurs garçons ka orgasme yo seulement éjaculé mais yo pas comme si réagi même gens les arrivé dans phase ça même gens pour mesdames et tout gagne mzou gagne fi qui bay yon quantité liquide et quantité liquide la capable varier d'un monde à l'autre. Et gen fi tout qui pas bay liquide, c'est pied qui a tremblé, c'est li réagit en façon différent. M pas capable de dire tout type de façon que on fi capable réagir les orgasmes parce que yo en pile, li varier d'un fi à l'autre, mais assez souvent c'est un petit liquide que fi en bay, fi en dit le voyer, fi en dit le mouiller et liquide ça quantité après elle varier d'un monde à l'autre. Et gen fi même femme yo di ki se femme fontaine yo les orgasme ou capable wè quantité liquide lan ki fait un jet li monte comme si c'est pipi li dav le pipi. OK. Semble m'vle ajouter pour public nou a que nan orgasme gen des manifestations qui capable rive la caille de jan yo par exemple le moun nan pral arriver dans phase pour gagner orgasme nous yo ouais que
gagne une augmentation de pression artérielle. Ça veut dire que nous avons gagné une pression artérielle, nous avons respiré plus haut. C'est quelques manifestations qui gagnent la caille. Nous avons gagné une rougeur, changer de couleur. Tout ça, par exemple, si nous avons un qui de teint clair, capable de. Donc, nous sommes un tomate, c'est à tous les cas. Pour toujours être en contact avec Ajas, ou qu'à suivre nous sur Instagram, Facebook, à Twitter, ou qu'à dire nous pour questions, à doutes, on s'attend qu'à écrire nous sur email nous qui c'est santelavie748@gmail.com. Ma brave public, il a participé dans le débat, il a voué question par YouTube pour inviter nous ensemble pour nous répondre, nous éclaircir si vous avez un doute. Docteur Sylvestre, il y a un peu de monde qui pratique masturbation, fille ou garçon, qui vient faire positif et négatif masturbation dans la dedans. Masturbation, c'est une pratique qui va prendre sens qu'on y a que m'a capable dire mon a fait depuis sous temps Sodome et Gomorrah. Et conception au monde de masturbation en pile fois il est capable erroné par rapport à croyance li, par rapport à religion li. Mais nous pas aller là, nous pas aller de façon scientifique. Masturbation nous capable dire que c'est même yon partie, c'est yon méthode de prise en charge que lié tout. Par exemple, masturbation, quand yon moun comme si qui gagne et problème de d'éjaculation précoce, c'est yon moun qui manque capacité pour lui maîtriser période que il va le voir. Par contre, si son moun qui habitué masturber tête li, l'a capable et ça aider le gérer ça. C'est-à-dire les sensations fort li ou elle pas le voir est capable font ti ralenti sou rythme de façon pour capable kembe un peu plus. Donc ça c'est un bienfait de masturbation. L'autre bienfait masturbation, gen étude qui montrait que les que moun nan masturbé en pile, on dit m'pa di en pile masturbé assez souvent. Yo moun ki masturbé assez souvent, li gen moins risque pour li ta fè cancer prostate que yon moun ki pa jamais fait masturbation. Pour qui ça, sou masturbé en pile ou masturbé assez souvent ou bat la pointe souvent, ça vin fait que prostate ou travaille pi bien ou pas gagner liquide prostatique ou bien l'autre substance que prostate là produit qui était en stock dans cellule glandulaire qui en dedans prostate là. Ça vin fait que quantité liquide qui te gagne en stock là ou toujours mettre le dehors et que cellule prostatique yo continue à travailler, yo rempli fonction yo pi bien, donc ça diminue risque pour faire cancer prostate. L'autre avantage qui gagne dans masturbation, moun ki masturbe yo capable c'est des moun qui pas fait en di garçon yo, c'est des moun qui pas fait tête chaud des filles. C'est pas moun qui pral violon fi facile. Parce que lui-même, il a une façon pour le satisfaire propre tête li si on fi pas d'accord entrer dans relation avec elle. Et même gens pour fi en tout, fi qui masturbe yo, c'est des moun qui plus ou moins gen contrôle tête yo, puis bien, c'est pas fi qui pral lager quoi ba yon garçon juste sous prétexte parce qu'elle était en vie. Il connaît gen l'autre moyen, il capable de gérer ça. Seul effet négatif masturbation en gagne, c'est addiction que li créé. Tout ça qui vient créer addiction capable vient néfaste dans la vie ou les que ou vient pas ka vivre sans li. Même gens fume boz, même gens prend drogue capable vient fort addicté, masturbation ka fort vient addicté tout. Li fort pas vraiment gain contrôle tête tout parce que gen moun ki gen madame yo abdomi derrière do yo, y a suivi madame yo pou y al nan douche nan pou y al masturber. Ça vient fait que ou vin gen yon défaut que ou pa ka contrôler et l'ou gen yon défaut nan ou que ou pa ka contrôler ou gen yon addiction ou ap toujours récidiver ou ap toujours retomber dans même bagay yo lè sa ou vin manquer gen contrôle tête ou ça capable vin fò perdre yon estime de soi, ça capable vin affecter relation avec madame parce que fi an pa content
L'été ou t'es sous carbone dans le tapement yon, ou ap poussil, ou ap passe de rasou, et puis la sauter sous dans la douche là, kap masturbe. Ça, c'est yon cause qui capable causer, m'kap di son bagay qui capable causer gros désagrément au sein de famille yo. C'est ça qui fait toujours bon pour faire équilibre dans tout ça que vous faites. Sous estimez que vous commencez addicté à masturbation, ralentissez sous lui. Jusqu'à ce que vous quittez le net. L'on veut faire ou faire, mais vous n'avez aucune obligation pour faire. Merci. Merci, docteur Sylvestre. Il y en Toi, a tu un, il y en a un, je voulais ajouter, c'est concernant mauvais hygiène. Parce que un monde qui a mauvaise hygiène et qui a pratiqué masturbation, capable la cause, monde ça tout, vient développer une infection vaginale ou bien urinaire. La garçon tout, capable de frapper une IST. Oui, En tout fait, à fait. Merci. Ouais, je c'est vois. ça que je voulais ajouter. Pour continuer, docteur Sylvestre, ça qu'on arrive là quand un garçon, il pas en érection et puis il éjacule, il voyait. Qui ça qui expliquait ça, le fait qu'un garçon pas en érection et il éjacule? Et un garçon qui pas en érection, qui éjaculé, c'est un monde qui a un trouble sexuel. Parce que, quand les garçons ont différents troubles de la sexualité, nous avons un trouble du désir sexuel, trouble de libido, c'est les garçons qui n'ont pas envie de faire sexe. Mais tout, monde doit avoir envie de faire sexe, mais boile pas carré. Les ça ils ont un trouble de l'excitation ou bien un trouble de l'érection. Yon moun ki gen yon trouble de l'érection, se boire ki pa red. Mais malgré ça, li excité, li gen désir lan, malgré boire pa red, li ka toujours éjaculer. Pendant ou boire pa red lan, li ka pa toujours éjaculer. Ça ka arrive. Parce que désir lan la, excitation la, c'est érection l'pa kapab fè. Parce que garçon pou fè érection, pou boire red, fok ou genyen yon vasodilatation, c'est-à-dire faut gen venyo ki relâché. Pour sang, ou gen yon afflux de sang qui vini nan kor kaverneux yo. Li gonfle kor kaverneux an, et puis bois moun nan vin red. Après, ou vin gen yon vasoconstriction qui fait par an lè pour empêcher sang sorti nan kor kaverneux an. Là, si moun nan gen yon problème kon sa, par exemple, moun ki kon gen jan de problème et problème excitation sa yo, c'est des moun ki gen problème psychologique. C'est des moun ki bi yon opération, yon chirurgie au niveau du gland prostatique li. Est-ce que vous là? Là, il vient son. Oui, moi, ça m'a coûté, docteur OK. Sylvestre. Moun ki fè tansyon, moun ki fè diabète, maladie sik, moun ki fè athérosclérose, ki se lè ou genyen vieyisman de yon seri de vaisseau ke nou rele artère, vaisseau ki pote san rouge lan, lò gon vieyisman, yon durcissement de artère sa yo, an ka d'artériosclérose ou bien d'athérosclérose, moun nan kapab vin genyen troub de l'érection pendant les toujours éjaculer. Boile pared, mais le voyez. Et ces gens de monde ça ont des problèmes ça. Avec monde qui boit un peu l'alcool, monde qui fumait, avec monde qui a pris une série de médicaments, tant qu'un antidépresseur, tant qu'un médicament pour quelques médicaments pour tension. Merci. Second, on va rajouter au capable de je prêt pour la question. Merci, docteur Sylvestre. N'a pas appelé grand public noir pour toujours, pour gagner plus de contenu de AJAS, allez sur YouTube noir, allez sur YouTube, cliquez Espace Santé et Vie, gardez une vidéo pendant 3 minutes pour, et puis abonnez avec Chanel noir pour YouTube, qu'a validé. Abonnement là, pour toujours être connecté à nous. N'a pas continué avec série de questions de Docteur Sylvestre, qui ça qui la cause? La caille fille,
Fiyo, apre reg yo, ak nan mitan sik mastriyel ki se peryon de ovulasyon, nou observe yon augmentasyon dezir seksyel. Ki sa ki la koz sa? Malouzman, Dr. Sylvestre pare ke gen ti problem teknik. Ki sa ki a la baz nan peryode apre menstruasyon e peryode ovulasyon ke fiyo generalman gen yon augmentation de dezir seksyel. Se par rapport avek augmentation de ensemble de hormones qui l'a pour ça yo gagne augmentation de hormones qui la cause que vienne augmentation de désir sexuel la caille mesdames yo pas connait Regina prend coup de pause pour nous laisser résoudre ensemble avec docteur Sylvestre rapidement n'a tourner. Ou ta reme kondro ak devò nan zafè la santè? Ou ta reme viv an bonn santè ou byen? Ou ta reme proteje tèt ou fami ou zanmi ou vwazinaj la triye? Piye kou pran devan! Vin diskite ak nou nan espas santè e vi! Yon emisyon ki patrone pa AJAS ki se asosyasyon de jen zayisyen an siyans de la santè. Ki pase sou pi gwo televizyon dijital nan mouman ki se... Web Corve TV. Chak samedi soti 8 ans à sur les pays voisins, à 6 ans à sur les pays d'Haïti, et la prépasser chaque lundi dans même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM, c'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Merci Régie, pareil que nous avons une petite difficulté que Dr. Sylvestre qui est internet dit tombé rapide vite n'a essayé n'a réussi à faire gourmet pour rétablir connexion rapide vite. Ouais, est-ce que nous capables gain Dr. Sylvestre nous capables continuer avec cette émission. M'a rappelé que vous avez suivi émission Espace Santé Vie qui passait chaque samedi dans le ça sous Webcov TV et qui est diffusé chaque lundi dans la même heure. Ou capable tout jeune contenu nous sur page YouTube nous qui c'est Espace Santé et Vie.
Pour parler de nous parler de l'ensemble de droits qui régit dans la question droit sexuel, nous avons gagné. Là-dedans, nous avons gagné pouvoir pour nous contrôler, pouvoir faire petit peu les ouvrir, gagner des gens avec les ouvrir. Pour ça, il y a une méthode contraception. Contraception, c'est une méthode qui vise pour éviter de façon réversible et temporaire fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Et si toutefois il y a un spermatozoïde, empêcher nidation que zé qui fécondé. En fait, qui importance contraception gain, généralement ça va la caille que les planning. Qui est important ça gain, il permet aider mon gérer pouvoir faire petit lit, le veut faire petit, le pas décider faire petit pour gagner une vie sexuelle qui épanouit. Il permet tout que mon capable gérer famille, puis bien sur le plan économique, social, pour citer ça seulement. Par contre, nous avons tant d'énergie, nous allons prendre une pause, nous allons tourner tout de suite après pause là.
Ou t'as aimé qu'on doit aider voir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien quoi, prends devant. Viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8h sur les pays des îles, à 6h sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit aider voir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien quoi, prends devant. Viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8h sur les pays des îles, à 6h sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit aider voir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien quoi, prends devant. Viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8h sur les pays des îles, à 6h sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit aider voir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la prière? Bien quoi, prends devant. Viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sur big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8h sur les pays des îles, à 6h sur les pays d'Haïti, et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Merci Régie. Excusez-nous auprès de fidèles internautes nous yon à cause problème technique ça qui est arrivé. Nous rappelons que l'émission à suivre c'est Espace Santé et Vie qui passe chaque samedi dans l'heure ça sur Pigo Télé Digital qui c'est WebCorp TV et sur page YouTube nous qui c'est Espace Santé et Vie qui est diffusé chaque lundi dans même à 8h dans la soirée pour le monde qui a vu le Brésil et 7h dans la soirée pour le monde qui a vu dans le pays d'Haïti. Tout à l'heure, moi voulais porter une précision. Un garçon capable éjaculer sans lui pas en érection, mais cependant lui pas lui capable un problème ou bien trouble sexualité. Qui ça qui passait? Érection lui gérée par système parasympathique. Cependant éjaculation dit gérée par système sympathique. C'est nous gain
Régie annonce que invitez-nous en dehors. Bon, l'autre fois encore, bienvenue de retour, Dr. Sylvestre. Problème technique, y arrivé. Bon, c'est la vie. C'est un plaisir pour nous. On ensemble. Merci pour moi tout, c'est un plaisir. Malheureusement, on connaît. Et nous avons une période cyclonique. Exactement. Et ça vient faire internet là pas trop stable. D'accord. En tous les cas, on a avancé, on a regardé le public là que la suivre. Il y a une émission. Si j'ai une émission, nous pouvons sur la sexualité et on a débat thème qui c'est santé sexuelle. Pour continuer, docteur Sylvestre, opposer la santé, c'est maladie, si je peux dire pour ça. Est-ce qu'on est capable d'énumérer pour le grand public noir quelle pathologie qui est liée à la sexualité? Et j'en dis là, nous pas qu'à venir là pour nous parler de ça qui est normal seulement, faut que nous parler de maladies ou tout. Et énumérer quelques maladies et pas difficile du tout depuis où qu'on est les différentes phases de la sexualité parce que maladie au pralvini à chaque fois qu'il y a un blocage au niveau de une phase dans cinq phases rapport sexuel normal là la protéine yon maladie. Par exemple, première phase là nous dit c'est phase du désir sexuel. Si phase ça a bloqué ou a gagné comme maladie trouble de libido qui c'est désir sexuel. Trouble de libido qui c'est une maladie, un problème de sexualité qui est capable de joindre kay ni fille ni garçon. Deuxième phase là nous connaissons phase d'excitation. Lè que ou fin gen désir sexuel là ou envie faire bagay là faut qu'ou excité gen moun ki gen envie faire bagay là mais li pa ka excité là moun nan gen yon trouble de l'excitation ça nous ta capable rele trouble d'érection kay garçon le plus souvent c'est kay garçon ou jwenn genre de problème ça aussi garçon ki gen problème érection ça veut dire moun nan pa ka camper gen différence entre moun ki pa ka camper ak moun ki pa gen bonne. OK, moun ki pa ka kanpe a son moun boal pare du tout, moun ki pa gen bonn nan son moun rapide li voye. C'est ça qui pral fè nous parler de yon troisième trouble de la sexualité, yon troisième maladie qui c'est éjaculation précoce. Qui lè nous parler de éjaculation précoce, c'est en fait cinq phases sa yo, yo supposé fait son période de temps qui varie de yon moun à l'autre. Mais si yon garçon nan moins que 1 minute ou fait toutes 5 phases sa yo ou gagne une éjaculation précoce. Donc nous parler de éjaculation précoce, c'est les que moun nan nan moins que 1 minute ou bien nan yon durée qui égal à 1 minute garçon getan voyé. Ça c'est yon trouble de sexualité que nous jwenn nan kay garçon seulement. Là, nous commencé ouais de pour konn phase yo ou konnen maladie yo. Nous te dit phase du désir sexuel, phase d'excitation, trouble de l'excitation. Phase de plateau, c'est pénétration. Quand on peut faire pénétration, capable de problème dans phase ça tout. Dans phase ça, gen fille qui ont pas qu'à pénétrer. Ça qu'faut pas qu'à pénétrer parce qu'il pas gen vagin du tout. Gen fille qui fait sans vagin, yon fille qui fait sans vagin, c'est une fille qui gen yon lot trouble sexuel. Ça trouble ça li concerne troisième phase là qui c'est phase de plateau son monde qui pas ka faire pénétration pas ka atteindre niveau ça parce que li pas gen vagin. Dans qui maladie nous joine ça nous joine absence de vagin hein dans une maladie qui est le syndrome de Wojtkowski. Donc ça fait environ 4 troubles de sexualité que nous capable joine. Mais si nous ta font ti bac toujours sous monsieur yo, même jan moun nan kapab gen yon trouble yon éjaculation précoce lan, moun nan kapab gen yon éjaculation tardive tout. Éjaculation tardive lan, c'est là que moun nan li passe tout trois premières phases yo, phase désir, phase d'excitation, phase de plateau, li rive nan plateau al kole
li pa ka aten 4e faz nan ki se faz d'orgasme nan, li pa ka voye, li pon paket tan, 1 tan, 2 tan, 3 tan, li pa jam voye, moun sa, li genyon troub de, li genyon ejakulasyon tardiv. Men, apil fwa, ejakulasyon tardiv lan, yo kon pa pran pou an maladi, paske se moun nan menm ki gen kapasite mental pou li retarde prop tèt li. E lèl vle vini an, lap vini. Nan ka sa, se pa ejakulasyon tardiv. Ejakulasyon tardiv sa, pa patologik. Se pa yon maladi, se moun nan ki gen kapasite pou l metrize tèt li lèl ap fè bagay. Men, gen nan ka li kapab maladi tou. Par ekzanp, par exemple, yon moun ki genyen yon maladi ki yon rele skleroz an plak, sou gen skleroz an plak, ou kapab vin devlope yon ejakulasyon tardiv. E pi genyen tou genan de ka moun nan kon genyen des ejakulasyon douloureuz. Le wap ejakule li pa dwe formal, ou kontre se douz pou douz. Fò jwenn pi bon douceur, pi bon plezi ki gen nan seks lan, se lè wap voye, lè wap ejakule. Si wap ejakule, se an mwen wap rele telman gen douleur, la son lot troub de l'ejakulasyon ke liye, ke nou rele ejakulasyon douloureuse, d'etiologi a investige. Sa li tou ap chache konen ki koz ki fe sa. Yon nan koz ki kapab fe yon gason gen ejakulasyon douloureuse, se lè li gen yon retresisman uretral. Pou yon rezon kelkonk, so a yon infeksyon kronik sou li ki pa jam geri ou vin genyen uret la ki vin retresi. Le volum nan diminue ou bien si moun nan genyen yon HBP sa ke nou rele hipertrofi beni de prostat, hipertrofi beni de prostat lan vin diminue volum, diminue diametre uret prostatik lan. Donk le moun sa pral ejakule li kapab genyen gro douleur le sperm nan rive nan pati kote ki genyen retresisman uretral la. Eh bien, tout ça, c'est des troubles que vous capable de gagner, des problèmes, des maladies que vous capable de gagner dans la sphère génitale, des maladies qui concernent la sexualité. Bien, il y a toujours nos capacités, t'as coup, hémospermie, lors d'une présence sans dans l'éjaculation. Mon éjaculé, c'est sans le voir. OK? Des fois, il est capable de symptômes qui bénin. Ça veut dire, il y a des bagages qui pas vraiment expliquer son maladie qui est liée parce que des fois si on a doit tellement faire sexe ou bien il était fait de façon brutale, il gagne une petite blessure, ça vient faire que gagne crassant dans niveau sperme non. Mais attention, il y a monde qui grand monde, il y a un grand monde qui gagne plus de 50 ans, 55 ans qui gagne un hémospermie, il faut penser à éliminer un cancer de la prostate. Et kay mesdames yo, l'autre troubles de sexualité que vous capable joindre l'en t'ai parlé de phase de plateau à que fiant pas qu'à atteindre parce qu'il n'est pas gay vagin pour capable bénéficier de pénétration hein vous t'ai parlé de syndrome de Wojtkowski. Eh bien gain l'autre problème que fiant capable gagner par exemple dans 5e dans 4e phase là qui c'est phase d'orgasme si fiant li gain vagin li fait bagaille li excité li gain désir sexuel mais li pas jamais ka voyer li pa janm ka rive aten orgasme li, le sa li gen yon lot problem ke nou rele frigidite. Frigidite, se yon maladi ki ou kapab genyen nan sfer seksuel lan. Frigidite a, li gen diferent tip de frigidite. Gen frigidite primer, gen frigidite seconder. La frigidite e primer, frigidite primer lan pou nou kapab bien kompran, se yon fam ki poko jam voye menm yon fwa nan vil. Malgre le pase 1, 2, 3, 4, 5 nèg deja. Malgre nèg yo kon fè l'amour, malgre li fè eksersis preliminèr yo, men li pa jam aten orgas li, li pa jam vini, li pa jam voye, li pa jam jwenn yon nèg ki fè l vini. La son frigidite primèr. Frigidite en secondèr, se le moun nan nan eksperyans seksuel li, li te kon vini deja. Pour une raison quelconque que li pa konnen, li vin wè li pa ka aten orgas li anko. Là, nous gagnons yon frigidité secondaire. Tout ça, c'est trouble de la sexualité. Tout ça, c'est maladie qui est capable de gagner
kaifir. Mais nous utilisons ce terme ça aussi surtout pour capable comprendre. Mais toujours gagner vraie maladie en bas qui c'est cause non. Parce que frigidité a ça capable cause non. Par exemple, il y a pas bien un trouble psychologique qui fait fille en frigide. Ou bien tout, c'est tout simplement li gagner un partenaire qui inexpérimenté, qui manquait expérience, c'est ça qui fait le frigide. Ou bien dans condition la sexuelle, condition pas adaptée. On prend exemple yon moun ki rete dans yon seul chanm kay. Côté li nan kay lan, mari nan chanm nan, li gen gros jeune fi kom petit, ti moun 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans même ki ap viv nan menm chanm nan. Li gen ti petit garçon tout ki nan menm chanm nan. Yo sek nan yon chanm, ti fi sa wap toujou ni frigide parce que lè la fè bagay, a mari li oblije tan tout ti moun dormi. E gen ti moun ki pa dormi. L'elle parle car qu'on est si tu m'as dormi ou pas, li pas vle febri, li pas vle jouir ça la faire. Moun sa la toujours frigide ou encore li gen pile chance pour le frigide parce que la fait dans des conditions physiques qui anormal. Yon moun y a violé. Li pa gen rien pral jwenn la dan, li pa gen aucun plaisir li pral éprouver. Mais dans cas ça, c'est pas frigidité parce que moun n'a pas préparé pour ça. Ça qui fait pas frigidité, c'est parce que pour parler de frigidité, faut qu'il y ait absence d'orgasme, c'est-à-dire faut que trouble là, au niveau de quatrième phase dans le rapport sexuel là, mais quand moun ça, il pas de passer l'autre trois premières phases parce que c'est violé à violer, il pas de désir sexuel, il pas excité, il pas jamais atteindre plateau. Donc il pas qu'à frigide parce que il pas orgasmé. C'est ça ça pas frigidité parce que il pas de passer dans trois étapes yo. Il pas de jambes de désir, il pas de jambes excitées, il pas de jambes envie vivre dans phase plateau. Donc, il pas qu'à orgasmer s'il pas passé dans trois étapes ça. Et nous capable dire gagner frigidité primaire, gagner frigidité secondaire, nous sommes définis déjà. Même j'en tout gagner frigidité totale et gagner frigidité partielle. J'espère que m'pas trop bouillé non. L'en parler de frigidité totale, c'est un monde qui totalement indifférent au coït. L'en dit coït, c'est mot français que nous utilisons pour faire bagay. C'est un monde qui totalement indifférent à faire bagay. Totalement indifférent, vle dit, la faire bagay, c'est comme s'il pas t'a fait rien du tout. C'est monde pendant la faire sexe là, il cap regarder vidéo, il cap regarder série. Pendant la fête sexe là, il cap jouer game. Pendant la fête sexe là, il cap faire deux voiles, il cap écrire poème. C'est-à-dire attention totalement ailleurs parce que il pas ressenti rien. Ça son monde qui gon frigidité totale. Frigidité partielle là lui-même, c'est un monde li frigide mais frigidité a c'est à un certain degré. Li gen désir sexuel là. L'envie fait bagay la. Li gen sensation le la fait bagay la. Mais sensation pauvre. Par contre, désir li très riche. Dans niveau que niveau l'envie atteint nan pa jam ka atteint ni. Plaisir l'envie jwenn nan pa jam ka jwenn ni. Parce que sensation yo pauvre. Ou gen yon inadéquation entre sensation que li éprouvé avec désir sexuel que li gagne. M'espère me parler trop, mais charger l'autre trouble de sexualité nous t'ai parlé. Même j'en nous parler de frigidité, nous t'ai parlé de nymphomanie tout. Nymphomanie c'est yon monde qui gagne yon exagération de libido. Trouble de libido c'est monde qui va gagner désir sexuel, mais l'organe désir l'en trop, là on arrive dans stade nymphomane, dans stade d'hypersexualité. Même j'en gagne l'autre trouble que mon n'a capable gagner tout à coup disparuni, ça c'est kay femme nan disparuni, c'est douleur que mon n'a gagné les la fait bagay. Nous gagnons plusieurs types de disparuni. Sexologue yo dit gagner trois types de disparuni en fonction de période mon n'a senti douleur les la fait bagay là. Ou gagne disparuni d'intromission, c'est un disparuni d'introduction. Nèg la wò même met boal, fòm nan commencé rè lanmwi. Le plus souvent li d'ordre psychologique, moun nan peur, douleur ke li capable éprouver
dans la relation sexuelle là, on est touché le qui t'a relamé, le qui t'a gagné douleur. Donc on est dit bonjour pour elle douleur. Ça c'est disparu d'intromission. Même j'en tout nous gagnons disparu de présence. Dans disparu de présence, son monde nous fait préliminaire avec les bien lubrifié ou commencer faire pénétration, pas sentir rien, mais quoi entrer pénion là il commence à gagner douleur. Là nous avons disparu de présence depuis bois présent dans la cavité vaginale là, il gagne douleur. Troisième disparu que nous gagnons, c'est monde qui gon disparu de profondeur. Il y aurait le disparu balistique tellement douloureux comme si son balle moun nan prend. Mais son disparu ni moun nan gagné l'eau balle pointe. L'eau fait mette bois, li pa gagné, les bois en dedans pa gagné, mais l'eau balle pointe. Ou bien le dernier niveau, ou essayer de toucher quel. Bon, ça, c'est un langage créole, c'est pas vrai, pas j'aime qu'à toucher quel monde. Non, tout ce qu'à toucher pour pire, c'est colmatrice là. Lorsque essayer de toucher colmatrice là, on a gagné douleur. Il y a une raison qui compte faire mon yo, gagne douleur, gagne disparu de profondeur, qui c'est douleur, femme n'a gagné global point, c'est les monde n'a gagné une infection. Par exemple, si on a gagné une infection dans colmatrice là, que nous relis servicite, la gagne disparu de profondeur. Si moun nan gagne yon infection encore plus haut, yon endométrite, même si moun nan gagne yon salpingite, li capable gagne disparu de profondeur. Parce que lor rive ou bal profondeur, tête pénien touché, col matrice nan, même là c'est pas col matrice nan qui malade, la transmet onde que le prend, les têtes pénien frappé lan bay. Tromplan, eh bien, puisque son salpingite moun nan te gen, c'est tromplan que t'es malade, li gen douleur à chaque fois ou bali profondeur lan. Gen ou l'autre trouble encore que sexologue pas trop considéré, que relé aversion sexuelle. Aversion sexuelle, c'est le que ou a fait bagarre moun nan, li va gen douleur. Pas gen yon fait le mal non? Pas gen yon fait le mal quand ou a fait bagarre lan, li bien lubrifié, finir bien rentré, li pas gen douleur nan appareil génital li. Mais il y a une souffrance personnelle en dedans, il sent qu'il a souffri, mais c'est surtout d'ordre psychologique, ça capable lié avec une expérience négative que tu fait dans l'enfance. Par exemple, si son monde qui t'a subi viol, il est capable de gagner aversion sexuelle. Si son monde qui t'a gagné une expérience homosexuelle, ça capable de faire gagner aversion sexuelle côté ressentir une souffrance personnelle dès que la fait bagarre. C'est des monde qui pas gain douleur vraiment dans appareil génital mais on fait bagarre avec ou elle crie. Et en gros c'est ça, si on t'a raté comme d'habitude, on ajoute un bagarre pour moi. D'accord, merci Douglas. Je pense que public là il est vraiment édifié de ensemble de troubles qui capable gagner dans sexualité. Oui, vous voulez ajouter un bagage pour moi? Ok. On a fait place ensemble avec question publique là. On a fait place ensemble avec question publique là. Nous avons Ney et Clara Moïse. Qui posait une question qui dit et qui ça qui la cause garçon fin voyer et puis il fait un pile temps toujours en érection c'est après un bon temps 5 à 10 minutes après éjaculation c'est le salive molle est-ce que c'est une maladie aussi bien l'inormal merci Clara Moïse pour question là attendez la réponse docteur Sylvestre. Malheureusement, Dr. Sylvestre, des problèmes techniques, on le voit encore. Dans le public, là, pas inquiétez, question à répondre, Dr. Sylvestre. Moi là, moi là. Vous arrivez copier?
Moi, pas de carte de voix, c'est ça qui fait me couper, moi, reconnecter. Ma forme là. Nous avons Clara Moïse qui pose nos questions. Ça. Nous saluons Clara Moïse et merci pour ce que vous suivez nous. Et qui ça qui la cause? Garçon a fait le voyer et puis il fait un pile temps toujours en érection. C'est après un bon petit temps, 5 à 10 minutes après éjaculation, c'est laisse aller ville molle. Est-ce que c'est une maladie ou bien c'est normal? Merci Clara Moïse pour belle question ça. C'est une question qui est très pertinente et que me conjoigne déjà et que me fait expérience l'entour. Et nous capables de dire Clara, oui, c'est un bagay qui est normal. Même Jean tous ou ta garçon, li fin voye li baisser, c'est toujours normal. Et ça qui explique la différence entre deux garçons sa yo, li capable et désir sexuel moun. Parce que les gagne inadéquation entre désir sexuel avec phase orgasmique là, c'est ça qui toujours arrivé. Ça qui passe, mon garçon a tellement envie fille, ou bien il était tellement envie faire action, il y allait. Il commençait. Désirant tellement haut, ça fait éjaculer bien vite. Mais malgré le fin éjaculer, désirant toujours là. C'est comme si c'est phase qui recommençait rapidement. Désir sexuel, excitation, plateau, orgasme. C'est l'élevoyé. Et puis, phase de résolution passée bien vite. Vous capable de boire, font petit descendre tout petit et puis le guet en red, même genre encore. C'est pour qui ça? C'est parce que l'anix sorti dans la phase d'orgasme. L'anix sorti dans la phase d'orgasme, il passe bien vite sous phase de résolution. Et à la fin, qui ça passe? Il guet en tombé dans la phase d'excitation encore parce que désir sexuel, qui c'est phase 1, toujours là. Donc, green ni rete red parce qu'il est toujours excité. Là, ça, son deuxième round pour le faire. Là, ouais, désir sexuel n'a fini net, il n'a pas gagné excitation encore, il n'a pas gagné érection. Merci. Merci, docteur Sylvestre. Nous avons des régies pour les capables de mettre une autre question. Nous avons Dana Honte. Que nous avons salué et nous avons dit merci pour la question. Mais quelle est la différence entre orgasme et éjaculation féminine? C'est une première question. Orgasme, c'est niveau excitation, c'est sensation pendant l'acte côté de sentir relâché totalement. Par exemple, bien fait qui tremble. Éjaculation, c'est libération liquide, libération qui est différent de sécrétion. Donc, il y a un monde qui comprend de ça. Qui ça nous pense? Docteur merci pour précision. Ça que nous pensons, c'est exactement ce qu'on dit. Et il y a une petite différence, ça, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire nuance là. OK? Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire nuance là. Mais ça arrive vraiment, ce n'est pas même bagaille. Il y a juste semblé, mais ce n'est pas même bagaille. Éjaculation et les filles vraiment bail liquide là. Même j'en tout, je dis, quantité liquide là, il varie de une fille à qui on l'autre. Il y a une fille qui est capable de bailler une quantité de liquide qui est tellement minime qu'on ne peut pas même rendre compte de ça. Par contre, il y a une fille qui a mouillé tout le cabane dans net. Mais en réalité, depuis que je senti le détendu, depuis que je réagi, vraiment senti feeling ni tapé dans le joint, attendre les combler, c'est que on arrive dans la phase orgasme là. Que le bail liquide ou pas, li orgasme. On va dire que le bail liquide ou pas, on dit que ouais liquide là ou pas, li orgasme parce que liquide là ka tellement petit ou vinn pas capable mettre en évidence éjaculation féminine là. Merci. Merci docteur Sylvestre. Une dernière question avant d'aller. Généralement combien de temps une relation sexuelle t'a supposé durer? Gemki, il a vu que c'est il est temps, deux heures temps, c'est cinq minutes, c'est en moyenne combien de temps une
relation sexuelle, t'as supposé dire, ou bien coït là, t'as supposé dire. Relation sexuelle ou bien rapport sexuel entre fille et garçon, dirait à les varier de un couple à un autre. Les varier de un monde à un autre. Moi, te dis ça, il y a un monde qui a une capacité pour le retarder éjaculation. Ok? Il y a une capacité pour retarder éjaculation, durer rapport à l'hypothèse qui dépend de où. Parce que l'homme le voyait, on va le voir. L'homme le voyait, juste mettez toute attention sur à quoi faire et pour voir. L'on va vle voye a, chaque l'on va vle exciter trop ou détourner attention son l'autre bagay et puis excitation font poser le pavini. Ça passe. Si, na, si yon baye yon durée moyenne nan, yon dit que yon relation sexuelle qui dure, yon rapport sexuel qui dure 4-5 minutes, depuis li respecte toutes 5 phases yon, phase désir sexuel, phase d'excitation, phase de plateau, phase d'orgasme et phase de résolution durée anormale. 4 minutes, 5 minutes, c'est normal depuis de respecter toute phase. Yo. Même Jean-Tou, il est capable de durer 30 minutes, il est temps, selon mon nom. Selon capacité mon nom pour lui retarder l'éjaculation. Mais malheureusement, ce n'est pas deux mounio qui toujours sont satisfaits dans le rapport sexuel là. Et même si tout le monde n'est pas satisfait à 100%, ça va vous dire que le rapport sexuel n'est pas normal, n'est pas OK. Parce que l'étude montre que mesdames, vous êtes satisfait une fois sur deux. C'est-à-dire si vous faites bagay 5 fois en femme, on dit 10 fois avec une femme, vous mettez attention, c'est 5 fois le plus souvent, vous êtes capable de satisfaire. La difficile pour satisfaire tous les 10 fois. Gagne un petit problème signal, on pense que l'étape plus bon si nous t'a campé là et puis nous t'a continué dans l'autre émission. N'a dit merci à tous les internautes. Merci spécialement à vous-même qui t'ai partagé live là. Merci pour question nous. Sans nous-même l'émission pas là possible. Merci parce que nous t'ai répondu présent à soir. Et un gros merci à vous-même, Dr. Sylvestre, pour connaissance ou pour partager avec nous. Samedi prochain, on a bien une petite émission. N'oubliez pas capable toujours communiquer avec nous sur le thème ça dans page réseaux sociaux, nous, Facebook, Instagram, Twitter, ou bien email nous qui se sont. Merci Vincent Fleurant, merci à tout staff technique là qui te permettent que l'émission soit possible. C'était un plaisir pour m'être avec nous. Merci à tous téléspectateurs, moun qui suivent nous, moun qui commentent. Merci en pile à Mara, docteur Asmara qui te fait invitation. Merci avec Ajas, c'est grâce à vous que l'émission ça possible. J'espère que tout le monde qui t'a suivi nous là, il apprend et que monde qui pas de chance suivre nous en direct capable garder rediffusion émission ça et au capable toujours quitter question dans commentaire et puis n'a fait en façon tout groupe Ajas lan et moi-même personnellement pour nous capable quitter réponse pour vous. Bonne soirée tout le monde ou encore bonjour selon l'heure que vous pourrez regarder émission ça. Bye bye tout le monde, à bientôt. Merci docteur Sylvestre, on le voit encore pour disponibilité. C'était un plaisir pour te partager plateau à l'espace santé de vie. Encore, merci à tous les internautes qui ont suivi nous, Kounia, et qui va suivre nous après. Chaque samedi, et blessé chaud qui passe chaque samedi. Dans dimanche, il y a un petit causé, une canalise, et pour une fille, il y a une communauté, une léa. Pour l'espace santé et vie, rendez-vous cassé samedi prochain, 8h dans le pays Brésil et 7h dans le pays d'Haïti. C'était avec nous, Yvesson Clurin, présentateur de Poissoya. Je souhaite nous une bonne nuit. Un bon fin de semaine, à qui un bon semaine.
n'a croisé en l'autre fois encore. Ciao, à la prochaine. Ou t'as aimé Kondro à dévoiler nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé protéger tête ou famille ou amis ou voisinage et la vie? Bien quoi, prends devant. Viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé. Qui passe sur Big World Télévision Digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays voisins et 6 ans sur les pays d'Haïti. Et la prépasse chaque lundi dans le même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM. Tout. On vive la santé. Nous yon bel espace santé.